Chied, donc sur les vélos Folies. Et donc on voudrait parler avec vous des nouvelles roues. Quels sont ces modèles? Quelle est la cible clientèle de ces nouveaux modèles que vous venez d'annoncer? Alors nous lançons aujourd'hui à Vélo Folies trois nouveaux modèles de roues, un modèle gravel et deux modèles pour la route. Et il s'agit des roues G42 pour gravel et les R36 et les R50 pour route. Et tous les roues sont maintenant plus larges, les jantes à l'intérieur. Entre-crochets combien? 22,5 pour route et 25 pour gravel. Alors ça veut dire que les roues de route sont bien pour les pneus à partir de 28 mm et la roue gravel à partir de 30 mm, mais la roue gravel est parfaite pour les roues, pour les pneus 40 mm. D'accord, donc c'est l'idéal au niveau positionnement de pneus. Donc l'annonce est faite aujourd'hui et donc vous avez une équipe de brillants coureurs qui va vous rejoindre demain sur le stand pour présenter aussi l'équipe Gravel que vous allez équiper. Oui. Et donc ces roues-là, on les verra sur les vélos de ses concurrents. Oui, bien sûr. On a 5 coureurs professionnels dans notre équipe. Alors, si je suis correct, c'est la première équipe professionnelle en Gravel. Et on lancera demain avec, par exemple, Toby Perry, le jeune d'Angleterre qui a gagné le UCI Gravel à Millau l'année dernière. Okay. Donc effectivement, à la manche UCI de Millau, qui avait lieu sur le terrain des Grands Causses à Millau. D'accord. Donc le gravel, c'est quelque chose qui intéresse la marque. Vous avez d'autres développements, évidemment, autour de votre moyeu. Donc là, maintenant, il manquait les roues. Donc, On a fait les roues maintenant, mais le moyeu, ouais, on continue avec, avec le moyeu en gravel, car en gravel, c'est un produit parfait pour gravel. Quelles sont ses qualités, justement, en gravel, de ce moyeu qui est... Effectivement, on permet d'avoir une grande variété de braquets. Le mécanisme est couvert dans le moyeu. Alors, c'est protégé contre la boue, contre tous les éléments qu'on a dans le gravel. Et pour ça, la simplicité d'un vélo avec monoplateau et moyeu classified est parfait pour gravel. D'accord. Merci beaucoup Yannick de nous avoir reçus sur le stand et puis à bientôt sur d'autres événements. Merci beaucoup. Merci.